Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous rejoindre encore après-midi hein, dans l'émission pour la en parler. Et je dis à nous gagner avec nous comme invité spécial, nous c'est Kevin Snowell. Pas oublier, mon qui est ensemble avec là, c'est présentateur Paula, Zami Paula, Makelium Chalmé, avant nous entrer ensemble avec invité nous sur plateau. Et nous prenons un petit temps pour nous saluer Bel Ami Studio, Gamma Production, JM Promo, PF Production. La question image, c'est des productions ça qui gère l'image pour nous, ou même qui t'a remis enregistré émission, ou même tout qui t'a remis fait une vidéo, nous capables de faire contact ensemble avec des productions ça sur réseau. Une salutation spéciale pour Skypub, dans les affaires publicité, nous connaissons Skypub, c'est top là, ou même qui gère business, qui t'a remis fait publicité pour business ou, pas négliger. Contacter Skypub, c'est toujours à travers réseaux sociaux. Et un gros coup de chapeau pour DS Collection dans les affaires collection. Dans le Cap Haïtien, DS Collection, c'est number one. J'ai sorti annoncé, nous avons tourné sur le plateau ensemble avec invité nous, Kevin Snell. Et qui qualité ou supposé gagner pour capable un bon journaliste? Bonsoir, Kevin. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Bonsoir à Kylian Chalmi, c'est un plaisir pour moi de répondre avec l'invitation, pour me capable de placer moi sur ce sujet ça qui d'autant plus d'actualité. Et c'est un plaisir pour me soupler à toi. Ok, et bon, nous t'ai fait appel ensemble avec vous. Est-ce que vous avez dit non qui j'en ai et j'en sais qu'on fait sur le plateau en parler avant nous passer dans le sujet qui nous choisit, hein, inviter hein, toujours parler public là, qui est-ce lié, qui est-ce Kevin Snowellier? Ah, moi, c'est Kevin Snell, moi, c'est président d'une organisation internationale qui est en Haïti, tout qui c'est Global Tennis à Haïti. Et moi, c'est journaliste, moi, c'est étudiant en sciences juridiques, moi, c'est tout un activiste social, c'est moi, en fait, activité sociale depuis plus de 10 ans. En gros, c'est ça qui est Kevin Snell. Ok, et nous choisir sujet ça par rapport ensemble avec Jean nous tendait et parole a sonné dans les oreilles nous déjà Jean nous a parlé des monde qui dit et des journalistes qui bon des journalistes qui pas bon par rapport Jean et y a pratiqué métier aller sur terrain face au qui au comporter et nous pas négliger opinion sur journalistes et nous malgré nous pas les journalistes mal en pile. Ouais, métier a des jours en jour, a bien plus moun, et journaliste a donné ta coup de jour à tout côté en Haïti. Et, mais, qui ça un bon journaliste, et qui ensemble qualité, il t'a supposé gagner, les moun, ouais, les moun dans le public là, ouais, journaliste ça, pour dire oui, ça c'est un bon journaliste. Et tout d'abord, après, on commence par une question comme ça. Tout le monde gagne au minimum. Capable de faire différence entre un bagage qui est bon et un bagage qui n'est pas bon. Et il y a des normes qui sont établies pour capable exercer ou bien pratiquer tout métier. C'est vrai ça. Chaque métier a un code éthique et déontologie. Même genre pour métier journaliste en lui-même, il y a un code éthique et déontologie qui c'est déclaration de Munich de 24 novembre 1971, côté li régit ensemble droit et devoir journaliste en gain. Journaliste en soi, c'est un métier. C'est un métier, mais journaliste pas en science, parce que journaliste, même, c'est un branchement qui est en science communication. C'est un journaliste, il y a une façon pour exercer le métier. Tout métier, il y a une façon de se poser, mais journaliste en lui-même, il y a un ensemble de codes de se poser, appliquer, il y a un ensemble de codes qu'il se poser, respecter. Et tout d'abord, je dirais ça, dans la convention de Munich, mais encore déclaration de Munich qui régit ensemble des voix avec droit journaliste. Tout d'abord, journaliste en lui-même, ça l'a pour le faire, c'est recueillir information, traiter information et puis diffuser information. C'est journaliste en lui-même, il pas produit information. C'est information journaliste a gagné pour partager, c'est recherche ou aller chercher le souterrain ou encore information par bin genou. Parce que l'information est capable de nous acheter le souterrain. Et puis, l'information, ou traiter le traitement d'information, les alliés, c'est essayer de vérifier si l'information, ça, lui-même, dit son information qui est véridique et vraie. Tiens, on se rend là, parce que lorsqu'on divise son information, les choses se passent dans le laboratoire. Et le laboratoire, ça, c'est quoi tu vas gagner pour traiter l'information, ça, pour est-ce que livrer, pour vérifier sociaux, pour vérifier est-ce que
information ça livré. Et dans la convention de Munich, vous dites comme ça, journaliste en lui-même, important c'est bah, la vérité. Et même Jean-Théophile Renaudot, qui est un pionnier dans le domaine journalistique en France, dit comme ça, un journaliste doit être un amoureux de la vérité. C'est le credo journaliste. Boussole journaliste, c'est la vérité. Et pour question un bon journaliste, qualité, un bon journaliste que tu as supposé gagner, il y a une pile théorie. Et ou même toi en tant que monde, ou même toi en tant qu'un individu qui est dans la société, ou quand vous faites une démarcation, ou une déclaration que vous faites pour un enfant entre un monde qui a bien fait un bagage avec un monde qui n'a pas bien fait un bagage. Et surtout, c'est la société haïtienne qui est une société qui est en décrescendo, j'aime dire, une société qui passe pas à perdre en valeur. C'est les journalistes lui-même qui c'est un métier, toute la société a perdu comme en valeur. Un ensemble de domaines, un ensemble de métiers qui a perdu en valeur. Et le regard des pratiques journalistiques dans le milieu social et haïtien, au sens que c'est un métier qui a pu mal fait, qui a pu mal fait et dans le milieu social haïtien. Ça qui gagne parce que pas vraiment un contrôle strict qui fait sur question média, sur question journaliste en Haïti. Dit tout le monde net et la guerre au dire c'est journaliste. Exactement, c'est par une institution de contrôle sur question journaliste en Haïti. Mon n'a qu'à lever aujourd'hui et puis il y a accès avec son téléphone ou bien il y a accès pour l'entrée dans la radio et puis entendre le journaliste, les directeurs d'opinion. C'est il a fait analyse et par les monde qui connaît dans quelle école journaliste qui était passé et comment il fait une journaliste. Mais pour ça, il y a avec bon qualité de journaliste, il y a Jean Charon. Jean Charon, qui c'est un écrivain et puis journaliste canadien qui se consacre à journaliste, hein? Pour une bagarre, c'est objectivité. Objectivité, parce que notre travail journalistique, travail subjectivité, j'aime dire que les journalistes ne sont pas produits information ou chercher information. C'est ou pas un laboratoire qui a produit information, on cherche information, information, ou chercher souterrain, ou vérifier et pour diffuser. Les journalistes sont supposés être un monde qui est objectif. C'est objectif, c'est dans tout travail journaliste, on suppose qu'il y a objectivité là-dedans. Et objectivité, ça l'a venu avec quatre conditions. Les journalistes en lui-même, ils ont équité. Les journalistes en lui-même, ils ont exactitude des faits. Les journalistes en lui-même, ils, en quelque sorte, comme tu es capable de dire ça, c'est un monde qui est salable. Et la vérité, ça, c'est pas le même qui a produit, mais c'est chercher le souterrain et puis vérifier. J'en ai senti même qu'il y a équité, j'en ai déjà dit là, il y a exactitude des faits et l'objectif dans le travail que tu as fait. C'est limite objectivité, c'est la subjectivité côté si tu as fait par l'IABZI, mais limite objectivité dans ça, dans ça, l'IAFER. Ok, oui, et mon côté, information sur terrain, information en vie. Après, pour le prendre, c'est ça, c'est pour traiter information et pour connaître s'il vrai, ensemble avec s'il faut à vos publics. Mais vous pas craint scoop, vous bagaille la guerre phénomène ça. J'ai dit les gens non dans la période, c'était plus les médias traditionnels, à savoir radio, télévision, presse. Il y a moins de dérives qui étaient faites dans le métier. C'est y a un minimum. Mais quand on est avec les médias sociaux, avec les questions internet, non? Depuis à partir des années 2000, l'information, même tout le monde a accès à l'information. C'est les informations capables d'ajouter tout le monde. Tout le monde tout, a accès pour créer l'information. Parce que je veux dire, je seulement besoin d'un smartphone. Avec smartphone, ça, je suis capable de créer un compte Facebook et puis je suis accès avec un large audience. Et
médias sociaux yo même yo nous quand vinn considérer comme des médias et comme des médias de masse parce que médias de masse li touché un public qui diversifie un public qui dans différents droits ça me sonne et nèg en lui même si l'entrée non logique pour le faire views l'entrée non logique côté c'est moi qui ba information ça avant côté c'est moi même qui premier lagué et l'aime premier lagué plus mon a regardé et les plus pour regarder ma plus populaire ou encore guion rente pécuniaire saisi il pas besoin de vérifier parce que il pas prendre temps pour le vérifier il pas prendre temps pour mettre des informations en vrai une fois qu'il l'a il fait scoop et puis il fait quand c'était vous des besoins et puis tout j'ai dit comme la fête exactement et gagne Maria Risa Maria Risa qui c'est un journaliste et philippine qui était d'ailleurs prix Nobel de la paix et en 2021 toujours dans question journalistique pour lutte qu'il a mené pour question démocratie et liberté d'expression dans une interview d'abord dit comme ça mais je ne dis rien il n'a plus gros virus que société mondiale là à confronter c'est désinformation et non seulement désinformation mais misinformation tout parce que il y a une série un message et une un message c'est qui a qui gagne rien là dans ou bien un message qui fausse avec un homme qui est mais c'est pas un homme qui est établi tout c'est tout on va faire métier agent on va pas avoir aucune poursuite pénale contre nous nous la gué dans ça avant oui mais selon tout ça audio on vient remarquer que majorité journalistes qui sont sur là et n'a pas parlé dans pays nous-mêmes en Haïti et pas gagne une majorité là de pas gagne dans qualité ça que vous dire et gagne tout me connaît qui gagne qualité ça et qui vient pas mettre en valeur ça qui cala cause ça c'est l'homme est-ce que m'gab dit c'est influence l'autre yo ou bien même c'est même ça cala cause et j'aime te dire ça avant Jean Charles on dit gain quatre qualités essentielles on j'ai exposé gain pour son journaliste qui objectif même que puis devant on va le joindre et on va le joindre gain Laurent gain Laurent qui parle dire comme ça et pas vraiment gain objectivité journalistique c'est vraiment des gens qui objectif alors que nous connaissons un ensemble des facteurs qui
Par exemple, 14. Mais l'on va...